Alors ici un fourgon McLouis, le Memphis 5 S-Line, donc un fourgon de 5,99 de long, 6 mètres de long, bon après hauteur normale hein, et largeur normale. C'est donc un lit transversal sur soute et a priori il y aurait une salle de bain avec système Vario, donc on va voir ce que ça donne. Donc quand on entre dans le véhicule, la cabine, donc c'est du Fiat avec Skyroof ouvrant ou pas ouvrant, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être ouvrant mais c'est pas grave, et avec donc cabine décaissée. Alors au niveau de la table, ils ont mis une table style SNCF. Les fauteuils là sont pas mal hein. C'est du, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir, je pense que c'est plutôt du simili-cuir. C'est plutôt pas mal. Il y a une petite extension hein, comme c'est une table type SNCF. Du coup on n'a qu'une moitié d'extension, donc on voit ce que ça donne avec l'extension hein. Elle est vraiment petite, mais bon, ça peut soutenir une table et un verre pour quelqu'un qui veut manger ou boire ou prendre l'apéritif. Par contre ici ça facilite l'accès au véhicule hein. Alors, si on s'assoit sur le salon, les deux sièges face route, ça donne... Oh, ils sont confortables. C'est perpendiculaire, hein, l'assise et puis le dos. Donc, c'est assez raide, mais bon. Sinon, c'est confortable, ça va. Je ne sais pas si on peut avancer. Sur certains véhicules, on peut avancer un peu le siège pour être plus confortable. Ici, je ne sais pas. Mais par contre, ce système hein, de table SNCF, c'est vraiment pas mal. Alors, panneau de contrôle, ça doit être le Webasto. Alors, comment dire, chauffage Webasto ici. Alors, il y a évidemment la moustiquaire. Il y a ici donc des rangements au-dessus du salon. Cuisine standard, hein, totalement standard. Il y a une extension. Donc, de belle taille, je sais pas, il y a une équerre en plastique en dessous, donc c'est moyen, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc deux feux standard et évier avec robinetterie inclinable. Bon, ici ils ont fait trois tiroirs hein. Ici donc le premier, le deuxième, les tiroirs ont l'air d'être assez légers en taille, en poids. Je veux dire, en la qualité, je sais pas, ça a l'air d'être assez léger, mais bon. Et ici, au-dessus, trois charnières non cloisonnées. Un petit réfrigérateur slim. Enfin, petit en largeur, mais en hauteur, il est très long, très haut. Il fait quasiment toute la hauteur. Donc, facilement accessible avec un conservateur et puis à l'arrière la zone couchage, donc ici un matelas qui a l'air sympa, donc sur du somialat, des rangements. Alors ici rangement assez grand là, j'imagine que c'est l'endroit où on met les pieds, et donc du coup ils ont eu la bonne idée de mettre de grands rangements, donc ça permet de stocker plein de choses. Par contre, il n'y a pas de soft close, hein. Ça claque, donc il ne faut pas le laisser partir, sinon on doit l'abîmer. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le lit n'est pas biseauté, hein. Il est de belle taille. Il n'y a pas d'ouverture au niveau fenêtre. Par contre, il y a deux fenêtres sur les portes arrière. Donc en latéral, il n'y a pas de fenêtre. Mais il y a donc deux ouvrants sur les portes arrière. Et un petit lanterneau pour terminer la visite, la salle de bain. Alors la salle de bain, bon, juste une remarque là, le décor, il est noir grisé, c'est pas moche hein. C'est plutôt réussi, c'est neutre, c'est sans fioritures,
Et c'est plutôt style correct. Hein. Alors ici, la douche, pas de problème. Hein. Il y a assez de place, aucun problème. Une toilette, donc orientable. Quand on bouge la tête du toilette, il y a de la place. Hein. Alors, ils ont mis un petit évier, un petit lavabo rabattable, avec ici le mitigeur. Et donc, il en manque un bout, je ne sais pas si c'est normal. Et par contre, il y a un système à rideau pour prendre la douche là. Il faut mettre un système à rideau et donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, point positif ici, un beau matelas, des rangements pas mal ici. Une table type SNCF, un décor sobre. Bon, ici le filet c'est pas terrible, ils auraient pu faire mieux, mettre une planche ou... Mais sinon bon, le décor est plutôt agréable. Ici le sky roof donne beaucoup de lumière, donc c'est pas mal. Point négatif, les rideaux dans la salle de bain parce que c'est tout petit. C'est étriqué et donc le rideau n'aide pas. Allons voir le coffre juste pour finir. Et donc voilà ce qu'on voit à l'arrière. Donc il y a le coffre à gaz ici. Hein. Du standard de standard. Et des accroches pour arrimer ce qu'on transporte. Donc, quatre crochets, enfin c'est pas des crochets, mais quatre anneaux où on peut accrocher des affaires.